3. Donc on ne présente plus l'attraction. Hein. Je fais gaffe à ce que je dis parce que j'ai un spécialiste là, mais c'est quand même une voiture hors norme pour l'époque, hein, au niveau de son confort, de sa tenue de route. C'était l'une des premières, ou la première monocoque dans le monde. Et bien sûr, traction avant, ça c'était vraiment l'innovation.